Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, la recette du jour est une astuce qui consiste à apprendre à décorer un millefeuille. Il faudra bien évidemment préparer l'intégralité de nos ingrédients. Nous aurons besoin de pâte feuilletée, bien évidemment, qui est déjà prête. Nous aurons besoin de la préparation pour marbrer notre millefeuille. C'est ce qui nous intéresse avant tout. Nous aurons besoin du glaçage, qui est déjà réalisé également. La crème pâtissière que nous savons faire. Si vous voulez des renseignements pour pouvoir réaliser plus aisément vos préparations, vous nous les demandez et nous vous répondrons. Une fois que votre millefeuille est monté, il faudra le glacer, évidemment. À partir du moment où le millefeuille est glacé, notre recette débute. Pour pouvoir marbrer joliment notre millefeuille, nous aurons besoin d'une poche à douille dans laquelle nous allons insérer notre préparation d'un coloris plus ou moins sombre en fonction de nos besoins, chocolat, café ou tout autre ingrédient qui retiendra votre attention. Nous allons couper la pointe de la poche à douille d'environ 1 mm et pas plus. Une fois ceci réalisé, nous nous présentons sur notre millefeuille qui est déjà glacée. Et nous réalisons des lignes horizontales à environ 2 cm d'espace les unes des autres. Une fois que nous avons réalisé l'intégralité des lignes horizontales, nous tenons en main un couteau partie coupante vers le haut. Nous tenons la pointe du couteau et nous réalisons là encore des petits traits d'environ 2 mm de profondeur, pas plus, à environ 2 cm d'espace les uns des autres. Ensuite, nous retournons notre millefeuille dans le côté inverse et nous réalisons là encore des traits à environ 2 mm de profondeur et pas plus à l'intérieur de chaque rectangle restant. Vous y allez calmement à votre rythme. Plus vous irez lentement, plus vous allez trembler, moins le trait sera beau. Alors, marbrez joliment votre millefeuille. Dites-moi que vous avez réussi votre recette. Likez la vidéo, partagez la vidéo avec le plus grand nombre, visitez notre page Facebook Cuisine Facile Pas Cher Officielle et je vous dis à très bientôt dans notre prochaine vidéo.